Zombie apocalypse. Salutations, je suis You, le Strength des humains. Le Strength, au nom du paradis, pourquoi penses-tu pouvoir entrer ici? Je suis important. Important, personne ne peut simplement nous adresser la parole, surtout pas un Strength, quoi que ce soit. Reviens quand tu seras au moins une sorte de prince, oui, c'est ce que je suis. Je me suis mal exprimé. Un prince? Intéressant. Je veux dire que tu as effectivement ce collier. Que pouvons-nous faire pour toi? Je cherche des informations sur les événements tragiques du passé. Oh, la grande tragédie de notre peuple. Tout le monde devrait savoir à leur sujet pour que cela ne se reproduise plus. Le chef des Gobelins avant moi ont construit un sanctuaire commémorant le plus grand héros et méchant de cet événement. Où puis-je trouver ce monument? Sur une colline à l'est, surplombant le grand océan. Cependant, sa porte officielle dispose d'un mécanisme qui ne s'ouvre que pendant les premières heures de la journée. De plus, les événements sont décrits dans une langue ancienne. Tu auras besoin de ce rouleau de traduction. Je vous serai éternellement reconnaissant. Tout pour un prince. Ok. Donc en fait, le problème qu'on a rencontré, c'était un bug. Voilà, tout simplement. Parce que quand j'ai relancé le jeu, là, ça fait un moment, hein, depuis cet été, j'étais pas revenue dessus. Donc pour le let's play, c'est l'épisode numéro 13. Et on avait rencontré dans l'épisode 12 le problème de... tout simplement, quand je voulais lui parler, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Oula, le roi, ils attaquent le roi. Et donc ça ne marchait pas. Oula, mais ils sont venus en masse. Et le problème étant que, tout simplement, quand je lui parlais, je ne pouvais pas lui donner le collier. Et là, en rallumant le jeu, tout simplement, déco-reco, ça a fonctionné. Donc c'était un petit bug. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils vont tuer le roi. Oula, c'est passé chez nos ennemis, en fait. Vu qu'ils ont tué le roi, ils ont pris possession du village. Vache! C'est pas du tout nos potes, maintenant. Heureusement qu'on a rendu le collier. Oh, il y a une orbe là-bas. Moi, il faut que je me barre de là, sinon je vais mourir, en fait. Ouais, c'est passé aux mains, là. C'est plus au Gobelins, les pauvres. Alors, je suis partie par où pour fuir et que je voyais une... Ah, mais pourtant, il y a un dindon qui vient. Ah, ils viennent récupérer leur village, peut-être. On va regarder. Ce serait bien qu'ils récupèrent leur village quand même, les pauvres. Ah, il a l'air de faire mal. Hein. Aïe, mais je t'ai rien fait, moi. Démerdez-vous. Hein. Ah, il est mort, lui. Donc on va aller récupérer les affaires, comme d'habitude. Brevet de marchand. Du bois, de la pierre, ok. Et là-haut, à deux, j'ai peur qu'ils s'en sortent pas. Oh, yaï. Ça fait mal, ils font mal. Je vais peut-être les laisser se démerder, hein. Je sais pas dire, mais... Ils vont pas gagner, hein. Ils sont que deux. Deux dindons contre trois... Ok,
ça. Seul, mais... on va looter. On va ramasser. Ouais, le dindon, c'était sûr hein, qu'il n'allait pas... tout seul, le pauvre vieux, contre... Ah, ils ont repris leur... cool, ils ont repris leur... leur village, en fait. Pas de problème, alors. Brevet de ramasseur. Bah, écoutez, on va tout prendre. Eh ben, que d'événements, un peu de temps. On sait qu'il y a un autre mort ici. Brevet... l'argile, le tissu, ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres morts un petit peu plus haut? Oui, ici. Brevet gardien, pierre de dieu, fer. Il y a d'autres morts, je pense pas. On va faire le tour pour garder. Je pense pas qu'il y ait d'autres morts. Ils ont peut-être fui. Comme ça, je vais pouvoir voir où est ma, où j'ai vu la, la pierre tout à l'heure, la l'orbe. Là, il n'y a pas. Bon, ils ont repris leur territoire, c'est magnifique. Ah, il est un petit peu blessé notre roi quand même. Bon. Ici, il y a encore des choses à looter. Essence de gobelin. Pas d'autres morts apparemment dans les parages. Alors, ce qui m'embête, c'est cette orbe-là. Je suis partie par où pour... alors, ici en bas, j'avais regardé. Ici, je vais tomber. Battait, donc j'étais partie par là. Il me semblait bien avoir vu une orbe. Hein. Hop. On a plein d'énigmes aussi à résoudre. Celle qu'on avait vue dans l'épisode. Ah, mais il est là, elle est là-bas. Hein. Ok. Donc. Donc j'ai exploré tout ça. Et puis, une fois que j'aurai un petit peu avancé au niveau exploration, ben, je vous récupère. Je pense que c'est le plus simple. Parce que là, j'ai pas mal tourné, viré pour essayer de trouver l'orbe. Et je sais qu'on a aussi... il faut des plumes de puf là aussi. Et on a le troisième ornement à trouver aussi. Donc, je vous retrouve après ça. Ok. Donc, 2 orbes sur 5. Alors, jetons un œil dans le coin. Alors, le troisième ornement près d'une grande grotte en tournant à droite dans la grande, quand la grande vallée est en vue. Alors là, ça va faire tourner un petit moment. Apporte à grotte, il nous manque 3 orbes. Explore l'emplacement du monument. Voilà, alors réunion froide. Explore le point culminant décrit par Brenir et Respire. La recherche, enquête sur les événements. Et l'entrée officielle du sanctuaire n'est ouverte qu'aux premières heures de la journée. Donc ça, on va la...
je vais la sortir, je pense. Objectif. On va aller... Qu'est-ce qu'il demande ? Influence le village des leaders avec la connaissance de la préservation. Celle-là. Ça, c'est fini. Celle-là, elle n'est pas faite. Hein. Les effrayants croqueurs sont certainement les espèces les plus difficiles. Ouais, mais le problème, c'est que si je me mets à les croqueurs, je vais perdre les... Les leaders sont un peuple simple, mais organisé. Ils ne soucient pas beaucoup des événements autour de la gaffe, mais lors de leur ancien roi aurait pu s'en soucier. Les détails de l'implication des leaders sont est enterrés avec ce roi. Mais pour t'y rendre, tu auras besoin des conseils d'un chef. On dit que l'ancien roi Droll possédait de nombreuses techniques secrètes qui ont permis aux leaders de prospérer. Trouve la tombe pour être le meilleur moyen de commencer tes recherches. On peut faire ça. Tout le reste est là. Pour le procès du guerrier. Les croqueurs, on n'est pas amis avec. L'entrée officielle. La recherche. Enquête sur les événements. Faire ça. Ok, bon, c'est bien, on a trouvé une... Maintenant, faut que je redescende sans tomber. Alors, j'ai des renards en bas. Waouh, ça fait mal, mais j'ai sauté. Là, on est chez qui, hein? On est chez les leaders. Alors, les leaders, ils aiment les os. Il n'aime pas les œufs. Pourtant, ça monte. Vert poli des œufs. Parce que le bois. Ouais, le bois, ça monte. On va le remettre. Non, ça monte pas le bois. Ça, je veux le laisser. Alors, les os, ça c'est sûr, ils aiment ça. Ok. Déjà, on va faire ça. Ensuite, ils aiment le vert poli. Est-ce qu'ils aiment... Le faire tendre. Oui, bah écoute. Ok. Donc on est plus qu'hostile avec les cerfs et les crocos. À savoir que, bon. Après, qu'est-ce qu'ils aiment? Le vert poli. Toujours hostile, et vous êtes gourmand quand même, hein. Voilà, on est neutre, comme ça ils nous attaqueront plus. Alors, non, c'est bon. On est copains, façon de parler. Hein. On est des connaissances, surtout. Ça, c'est l'énigme qu'on avait vue et que j'ai pas réussi à résoudre, d'ailleurs. J'ai dit qu'on y reviendrait. J'avais mis un point d'intérêt dessus. Ici, il n'y a rien. Pourtant, il me semblait sur la porte que c'était un soleil avec la demi-lune.
Mais bon. Ah oui, mais ça peut être activé qu'à un certain moment de la journée. Donc ici, on a quoi? Donc l'éditeur. Ok. Ils ont besoin d'aliments, mais... C'est bien l'éditeur ici parce que je les mélange un peu tous à vrai dire maintenant. Ici on a quoi l'éditeur? On va y aller. J'ai pas de kit de voyage. On va aller là. On va aller essayer de leur donner. Est-ce que j'ai un plan Ils veulent un plan de je sais pas quoi là. J'espère qu'on n'est pas ennemis. L'éditeur, c'est les crapauds. Influence au village d'éditeur, mais la connaissance de là. Alors, c'est pas assez marqué là. Objectif. Influence avec la connaissance de la préservation. Ok. Est-ce que j'ai ça? Idée. En possession. Alors. Je crois qu'il fallait que je la fasse. Ça c'est quoi? Infusion de puissance, mélange énergisant, plan d'efficacité, traité de paix, connaissance de la préservation d'idées. Ben, je peux le faire. Ah voilà. Et on va leur donner ça. Donc là, je dois leur mettre connaissance de la conservation qu'ils veulent, ouais. Hop. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Elle va le tuer pour moi. Il va arranger mes... Voilà. Et moi, je ramasse. Il n'y a plus rien? Non. Et pourtant, j'ai donné le plan d'efficacité. On verra. On va aller au point jaune. À côté apparemment. J'espère que je vais pas être trop en territoire ennemi. Ça paraissait à côté en fait, mais ça n'est pas. Rive droite en plus. J'espère ne pas arriver chez les crocos, les croqueurs. Sinon, je suis morte. Quelqu'un est passé par là.
sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Je vais au point jaune. Hein. Je ne sais pas chez qui je suis. Je suis pas du tout à côté. Hein. Ça peut me permettre de trouver des orbes en me baladant comme ça. Et du loot. Là, on y était déjà venu pour l'énigme de l'arbre. Je suis chez qui là? C'est des copains ou c'est pas des copains? On va vite le voir. S'ils veulent me scrunch. Non, c'est les crapauds. Ah, c'était là qu'il fallait que je donne la connaissance de la machin truc. Hein. Si tu recherches de mode marchandise, alors. Où j'ai mis. Là, ici. Et tu vas me donner. Intéressant, je n'ai jamais rien vu de pareil. Reviens vers moi si tu en trouves plus. Nouvelle conception de l'île. Tu as introduit la connaissance de la préservation sur Albamar. Cette connaissance et ses variantes commencent à circuler sur l'île à travers les groupes de marchands. Les villages avec cette influence dans leur inventaire commenceront à stocker des ressources et des munitions le long des maisons du village. Ok. Rassemble du drolica dans les nouvelles boîtes. Alors c'est quoi la quête? Objectif. Alors. On dit que l'ancien roi Drôle possédait de nombreuses techniques secrètes qui ont permis aux lutteurs de prospérer. Trouver la tombe pour être le moyen drôlica. Je vais enlever l'autre quête. Celle-là. Là. Hop. On va se concentrer sur celle-là. Il faut que je reparte vers là-bas. Oh, j'ai des checkpoints partout hein, de mémoire. La vache. Salut. Bonjour monsieur le roi. Tu me fais perdre mon temps et le tien d'ailleurs aussi. Je vais avoir besoin d'un peu plus de temps. Pourquoi ça? Rassemble du drolica. Du drolica. Ça me dit absolument pas où le trouver. Hein. Rassemble du drolica dans les nouvelles boîtes situées près de la maison du village apparue à travers le nouveau élément d'influence de la connaissance. 4 drolica. Alors, les leaders sont un peu plein, ils ne se soucient pas beaucoup des événements autour de la gaffe. Mais
L'un de leurs anciens rois aurait pu s'en soucier. Les détails d'implication d'Hitler est enterré avec ce roi. Mais pour Tyrann, tu auras besoin des conseils d'un chef. On dit que l'ancien roi Drôle possède de nombreuses techniques secrètes qui ont permis aux Hitler de prospérer. Trouve la tombe pour être le meilleur moyen de commencer tes recherches. Et le drôle gars, je vois pas du tout ce que c'est. Ça se complique. Du drôlica. On sait ce que c'est le drôlica. Je n'ai pas encore découvert cela. Cherchant peut-être, c'est quoi ça? Non, ça c'est pas du tout le cas. Crash-tal. Quand je vois pas ce qu'est le drôlica. Il faut en fait quand tu. Quand tu vas donner, quand je vais donner au vendeur le plan là, une nouvelle fois, dans les 5 minutes, il faut que je trouve du drôlica dans le village. Ça va être chaud, hein. Eh, franchement, t'abuses. Si j'en ai encore, j'en ai plus qu'un. Donc là, je lui ai donné. C'est une blague. Pas de boîte. C'est la troisième que je lui donne quand même. Hein. C'est abusé. Ici. Bien. Pas de côté, Banous. Voilà. Ok. On a les quatre. Il en fallait quatre. Ça met du temps quand même, hein, pour être honnête. Ça fallait le savoir parce que ça, il n'y a rien qui dit. Hein. On va profiter, hein, donc. Tant qu'il y en a, on va les prendre. Ouais, je prends tout. Merci, Stéphane. Pour l'aide, parce que là, franchement, c'est le troisième hein, que je leur donne. Hein. Ça a abusé quand même. Ils m'ont bouffé trois traités là, quand même. Trois traités pour ça.
je veux bien qu'il faut résoudre des énigmes là, mais c'est plus des énigmes là. Salut Mister Play. Comment tu vas? Ouais, t'aurais pas trouvé comme moi, quoi, en fait, hein, parce que là, t'as aucune explication qui est donnée par rapport à ça. Ça va. Et toi? Donc, effectivement, il faut donner le traité au vendeur et il faut taper des boîtes. Fallait le savoir. Alors, tu l'as fait un miracle tout droit du Tout-Puissant. Laisse-moi goûter. C'est vraiment... D'accord. Un accord est un accord. Voici ce que tu dois faire pour accéder à la source de nos connaissances. Tu dois placer du drolica sur les socles de notre sanctuaire. Et très rapidement, tu n'auras plus d'énergie. Et nous verrons si le Tout-Puissant te donne accès à nos chemins. Puis à l'intérieur de l'ancienne grotte, trouve le trône et la connaissance du Tout-Puissant se présentera. Je vais essayer. Alors attendez. Il est temps d'accélérer. Ok, accélérer quoi? Attendez, je laisse passer la cinématique. Je laisse passer la belle cinématique et je reparle avec vous après. Ma tête, qu'est-ce qui se passe? Suis les feux follets. Alors, on va y avoir des énigmes là. Donc, les garçons, je compte sur vous. Voilà, mais je vous tiendrai informé de la suite des événements. C'est pas cassé ça? C'est pas cassé. Ah, je me disais. Des flèches. Parce que là, pour aller tout là-haut, ça a l'air d'être compliqué. Les Berserkers, je les aime pas trop, pour être honnête. Aïe, mais il m'a fait mal. Oh, ça va. Il m'a fait mal. Baie de rose. Des flèches. J'aime pas trop l'arc. Hein.
Bourrine que je suis, en fait, j'oublie complètement de me protéger en me parant, quoi. Bon, c'est pas grave, on les a eus. Ils sont mourus. Alors, des baies de rose. Des flèches. Alors, X. Est-ce que j'ai un... Non. Hein? Non, hein? Il n'y a pas de cible ici pour ouvrir. S'il y a un truc... Ça te fait tourner. Une idée, les garçons? C'est pour vous faire participer, hein. Je vois pas de cible. Je trouve plus le bouton sur la manette pour sauter. C'est quoi, là? Ça y est, j'ai sauté. Applaudissements. Évidemment, il y a des berserkers partout. Hein. Ça, en plus, on n'est même pas sûr que c'est là. Hein. Aïe! Je vais mourir. Je suis mort. J'ai sauté, mais je suis mort. Les deux me sont tombés dessus en même temps. Faut que j'arrive à avoir la tenue des... soit des... comment on appelle ça? Des croqueurs. Soit la tenue des crocos, soit la tenue des renards. J'ai pas assez de défense. J'ai la puissance en arme, mais j'ai pas assez de défense au niveau de l'armure. Rip. Trop drôle. Ne te moque pas, Steph. Je te hais. Allez, un par un, parce que sinon on s'en sort pas. Aïe. Je suis très bourrine, donc j'ai pas tendance à me protéger. Là, c'était un gros défaut. D'autant que je ne me tape pas dessus. Aïe. Putain. Ah! Je les passe même plus maintenant. C'est une horreur. Je les hais. Bah, allez, je vais manger. Mon Burger King vient d'arriver. Bon appétit à toi, Steph. Merci d'être passé. De toute façon, je pense que je vais en rester là du live sur sur Pin. Donc on verra pour passer ça dans le prochain épisode. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient sur le live. Des gros bisous. Je vais en rester là. Et puis, on reverra ça un petit peu plus tard. Je reviendrai dessus. Bisous tout le monde. Et à très vite. Bye bye.